Le ministre du Tourisme, Roger Kakou, en visite de prospection à Daloa, Séguéla et Mans. Première étape de cette mission de 10 jours, la découverte des pierres sacrées de Bablota et la roche éléphant de Brisé-Bois, située à une quarantaine de kilomètres de Daloa. Patricia Oumou pour plus de détails. La région de la Maraoué présente un nouveau site touristique, les pierres de Bablata, localité située à quelques kilomètres de Boisflé. Des pierres sacrées qui ont une signification et une histoire. L'histoire des rochers de Bablata date d'un peu longtemps, de la guerre tribale entre les bourreaux. Et chaque fois qu'il y avait cette guerre-là, c'est ces rochers-là qui annonçaient à la population de Bablata que les ennemis arrivaient. Tous les cailloux se transformaient en guerriers. C'est ainsi que est née cette histoire de rochers que nous adorons. Ce site va désormais constituer l'attraction touristique de la région. L'ambition est de le mettre en valeur par la construction de bungalows et de paillotes. Le projet consiste à créer un restaurant sur le site, sinon un complexe, puisque le projet va comporter un restaurant, des chambres d'hôtel, des bungalows et puis un centre artisanal. Donc c'est l'escale obligatoire que nous voulons créer pour tous les voyageurs qui passent sur l'axe Yamsokro d'Aloa. Projet soutenu par le ministère du Tourisme. Autre étape de cette mission, la découverte de la roche éléphant dans le village de Brisé-Bois. Cette roche en forme d'éléphant est le symbole d'un éléphant tué par les ancêtres du village et qui par la suite s'est transformé en pierre. Pour Roger Kakou, il existe des opportunités à exploiter dans la région du Haut-Sassandra.